Pour permettre aux restaurants de gagner en visibilité et d'augmenter leur taux d'occupation, de développer leur chiffre d'affaires, la fourchette accompagne les restaurateurs depuis une dizaine d'années à travers une offre globale de services qui leur permet d'accéder à différents leviers de croissance. L'un d'eux, par exemple, l'affiliation. Alors quand on parle d'affiliation, on parle de Google, Google Reserve notamment, on parle de Facebook ou d'Instagram. Donc ces partenaires de la fourchette qui permettent aux restaurateurs d'accéder à de nouveaux clients. Donc diversifier les canaux de réservation, non seulement le canal la fourchette, mais également ses partenaires jusqu'à présent en fait qui n'étaient accessibles que par le biais de ce genre de prestataire, donc comme la fourchette. Donc l'affiliation, c'est un des leviers très importants. Il y a un deuxième levier également qui compte beaucoup pour les restaurateurs et qui est un élément notamment qui permet de développer de manière très intensive et très rapide le chiffre d'affaires et l'occupation donc des restaurants. Ce sont les offres spéciales. Donc les offres spéciales, en fait, on recommande aux restaurateurs de jouer avec ces offres spéciales au bon moment. L'idée étant de faire venir des clients additionnels dans leur restaurant au moment où ils en ont besoin. Donc, ce n'est pas forcément une obligation d'utiliser ces offres spéciales tout au long de l'année, mais bien de manière tactique pour permettre, notamment à une période qui est connue comme étant un peu creuse, eh bien de densifier un peu le trafic vers le restaurant. Il existe également un troisième levier chez La Fourchette, qui est le programme de fidélité, que l'on appelle YUMS. Ce programme de fidélité donne une nouvelle visibilité au restaurant, parce qu'en fait, il faut savoir qu'en recherche, notamment sur l'application La Fourchette, eh bien, c'est un des critères qui est le plus utilisé. Où puis-je dépenser mes YUMS? Nous avons aujourd'hui énormément de clients, donc les consommateurs finaux, qui ont gagné des points à chaque réservation réalisée sur le site La Fourchette, et qui veulent utiliser ces points pour réserver dans un autre restaurant. Donc c'est un filtre spécifique, ça donne une visibilité aux restaurateurs. Nous avons aujourd'hui un nombre réduit, restreint, c'est un peu un club de restaurants qui font partie de ce programme de fidélité. Donc c'est un moyen également très intéressant pour les restaurants qui ne veulent pas par exemple faire d'offres spéciales, donc ils ne veulent pas faire de remises en facial. Donc c'est un bon moyen pour les restaurateurs d'aller trouver une clientèle additionnelle.